Salut à tous. Alors, on va faire ensemble une ABC. Je vous explique à peu près tout ce qu'il faut savoir. Vous devez avoir une ABC, ça fait 8 sur 20 cm. La créatrice, c'est Rubika Mag. Hein, voilà. Et on fait ce qu'on veut devant. Donc ça, c'est super génial, j'adore. Et derrière, par contre, il va devoir avoir quelques parties, 3 en tout. À noter. Donc l'ABC c'est une art book collector. Donc on va les échanger, les collectionner. Et dans les trois parties, il va falloir mettre laisser de la place pour pouvoir coller votre timbre à la réception. Peut-être avec la petite date. Ici c'est notre partie à nous, c'est-à-dire l'expéditeur. Donc on marque ce que l'on veut, notre nom, prénom, adresse. Voilà, et ici dans cette partie en bas, on marquera une petite pensée positive ou un poème ou quelque chose dans ces eaux-là. Et du coup, bah, c'est super sympa de les regarder et de les lire également par la suite. Donc, sur le devant, comme on fait comme on veut, moi j'avais envie d'être partie sur du art collage, journaling, je ne sais quoi. Je ne connais pas le terme exact de ce que je vais faire. Mais j'ai sorti, et le thème ce sera au jardin. J'ai sorti tout ce que j'ai utilisé, tout ce que j'ai trouvé qui était jardin. Et j'ai déjà fait une page de art collage. Et j'ai gardé tout ça. Et avec ça, et ben on va bien réussir à faire ce petit morceau de papier. Du coup, je voulais partir avec un cadre. Du coup, je pense que je vais mettre du washi, un tout fin cadre autour. On va faire ça. Voilà, j'ai été chercher du washi. Et je vais essayer de me mettre à même pas à demi centimètre. Oui, je vais bien faire soin dessus là. Je le passe sur mon pantalon pour qu'il colle moins. Et je vais, à l'aide du tapis, je me mets bien comme ça. Et je me mets à 1,5 cm là. Et en même temps, je le colle sur mon tapis. Ça collera sur le tapis. Et je vais le prendre à 1,5 cm. Ceci. Donc, on va utiliser que du papier ou des grandes couleurs peut-être. Ou... Qu'est-ce qu'on va faire? Le fond. Alors, voilà. À demi, c'est bien assez, sinon après, il n'y a plus rien pour travailler sur notre ABC. Hein. Voilà. Je ne vais pas le passer. Voilà. Non, il ne veut pas. Bon. Voilà. Le demi centimètre. Et je colle. Voilà, sympa. Pantalon. Du coup, là, ça va? Oui. Alors, on a ça. Prêt de mettre ici, non? Comme ça. J'arrache encore. Comme ça. Ça, je jette pas, je ferai en plus il y a une autre couleur derrière au jardin. Et j'avais vu un petit parfum de fleurs, c'était super sympa pour aller avec là comme ça. Voilà, je pense que ça va être je sais pas si ça suit avec la couleur là. C'est gai mais non. Ou sinon j'avais couleur à foison. Là, j'ai un petit cadre comme ça. Là. Celui-là, je vais le mettre aussi. Et sinon, je voulais également tourner comme ça. Là, il me reste un coin. Voilà. Voilà. Et comme ça. Pas trop mal, hein? Simple.
là. Là, je vais le découper. Je le pose. Rendez-vous au jardin. Ça, c'était pas mal. Oui, et bien, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais le mettre ici. Voilà, on va faire ça. Je vais découper celui-là. Oula, mon ciseau est trop gros, celui-là. Voilà, je vais découper l'étiquette juste au bord, sans rien laisser d'autre comme couleur. Il y a longtemps également que j'ai pas fait, c'est des tickets bonheur. Vous connaissez alors, tout, si vous ne connaissez pas, il y a déjà une publication sur la chaîne dans la playlist format. Vous regardez, il y a tickets bonheur. Et je me dis que ça, je vous parle de ça parce que j'ai déjà découpé avec ce qui me restait. J'ai pas dit le papier, j'ai pris du papier aquarelle. Comme ça, je me suis dit, peu importe ce que je fais, puis c'est assez costaud. Là, j'ai découpé dans ce qui me restait des petits formats de tickets bonheur. Je me suis dit, regardez, pour faire une suite, ça peut être bien. Du coup, je vais garder mon passeur ici. Voilà. Et celui-là, je vais le mettre comme ça. C'est beaucoup mieux puisqu'il y a le mot rendez-vous au jardin. Donc, je vais découper ça, le cercle. Donc, je dévie, non. Faut pas. On y va. Voilà. Comme ça. Ça, ce sera plus là après. Ça trahit un peu, mais celui-là, par exemple, là. Le cercle ici. On peut mettre un peu de 3D, peut-être. Hein? Et le vert, c'est pareil que les feuilles. C'est super. Moi, j'aime beaucoup. Ça va bien. Je trouve que c'est top. Qu'est-ce qu'on pourra mettre d'autre ici? On peut partir sur de l'aquarelle ou sinon j'ai ce papier là avec des abeilles. Il m'en reste pas beaucoup, mais non, celui-là non, pas top. J'aime pas. Ici, toujours pareil, les abeilles. Ouais, moi je suis partante pour les abeilles, hein. Jardin. Oh, je découpe une abeille. Ici, est-ce que tout est beau? Non. Ça aussi, c'est vrai. Là, c'est marqué le plaisir de manger dehors. Pas fou. Papillons, je vais laisser. Je vais sortir des papillons. Au jardin, il y a les papillons. Je vais sortir des papillons. Voilà, je vais coller ça comme ça. Ouais, on y va. Je peux prendre celle-là. Hein. Ceci. Allez, viens. Donc, je vais faire attention de ne pas coller sur le washi, sinon, quand je vais tout enlever, il n'y aura plus rien. Et ici, ah, parce que là ça se met, ça chevauche, mais je veux plus d'orange. On va laisser et je vais mettre celui-là. Parfaitement. Voilà, ça reste assez simple, hein. Mais j'avais bien travaillé avant. Dans le sens où j'avais mis tous les papiers qui me plaisaient ensemble. Voilà, alors qu'est-ce que je mets en 3D? Je vais mettre ça, ce sera plus solide. Donc celui-là, je le colle. J'en ai mis un peu beaucoup peut-être. Comme ça, impeccable. Et là, je vais mettre en 3D. Je vais prendre... Vous êtes où? Ils sont là. On va prendre des. Voilà, comme ceci. Et
celui-là. On va enlever l'opercule. Voilà. Et j'essaye de centrer comme ça et comme ça. Voilà qui est déjà sec. Bon, je vais laisser sécher. Je referai après la suite. Non, ça ira pas avec les couleurs que j'ai choisies. Je vais essayer de trouver les papillons. Et après, par la suite, peut-être que j'encrerai au bord. Du coup, là, je vais encore laisser comme ça. Je vais voir ce que je peux faire. Sinon, je peux tamponner aussi des petites choses. Oui, j'ai des plantes là. J'ai ça. Je vais chercher tout ça et je reviens avec vous. Alors, on est reparti. J'ai préparé des petites choses. J'ai réfléchi. Alors, j'ai préparé un petit fanion, drapeau. Voilà, pour mettre ici. Et en papillon en relief, j'ai que ça. J'avais un rose, mais alors ça... Non. Je voudrais mettre celui-ci. Donc du coup, j'ai fait ça pour mettre avec. Je trouve que ça change un peu. Comme ceci. Voilà. Et en bas, j'ai fabriqué des petites barrières comme ça. Super facile. Vous avez la vidéo sur la chaîne pour fabriquer des petites barrières avec des éléments de récupération. Hein? Une petite paille pour soutenir la petite barrière. Et derrière, je voudrais mettre des petites fleurs. Soit derrière ou ici sur le côté. Comme ceci peut-être. Voilà, pour faire ça ou à moitié sur le... Sur la barrière, comme ça à peu près. Voilà, hein, on y va. Alors, toi, tu coules déjà. Comme ceci, impeccable. Notre petite barrière. Alors, tu coules et maintenant, non. Ai-je mis un autre bâton de colle? J'en ai un. Comme ça, je vais pousser un peu. Ah bah, ça a coulé maintenant. Décidément. Comme ceci. Je colle que d'un côté, comme ça, je pourrais toujours mettre mes petites fleurs en les glissant. Mais je collerai après le reste. La petite paille, j'ai pris avec du vert. Voilà. Comme ceci. Et là, on va pouvoir mettre de la colle hein, pour coller nos petites fleurs. Ceci. Alors, c'est des petits éléments. J'en ai là. Je vais faire mon chiffon. Et voilà, on y va. Voilà. Super. Là, celle-là, je l'ai collée dedans. Et là, je vais la mettre juste à côté. Comme ceci. Moi, j'aime bien. Et pourquoi pas en ajouter une ici. Oui, très bien. Voilà. Alors, moi, je ne le colle pas là. Je voudrais mettre des petits trucs pour que ça fasse du relief. Voilà. Donc là, à mon avis, elle est finie. J'avais des chez ma petite boîte de verre. Ah ben, tout est à côté maintenant. Voilà. Comme ceci. Voilà, tout à côté, c'est parfait. Et j'avais envie de mettre des petites choses comme ça. Je pense que normalement c'est des confettis pour mettre sur les tables ou dans nos shakers. Mais alors ça brille et quand vous bougez, c'est super rigolo. Quand on bouge, ça fait de la lumière. J'aime beaucoup. Alors, on va essayer d'en mettre. Comme ceci. Alors, c'est pas évident de coller de si petites choses. Hein, mais ça fonctionne.
Allez. Suis les mains. Ici, on a rajouté une ici. Non, là. Oh, voilà. Là. Je pense que j'avais dit des tamponnages, mais je suis partie sur toute autre chose. Alors, je vais ranger ce qui reste. Enfin, je vais le mettre sur le côté. Là, j'y suis. La colle. Ça, je mets sur le côté. Et on va décrocher notre... ABC. Oui, si, c'est ça. Je sais plus ce que je fais. Comme ceci. Voilà. On va faire attention. Qu'est-ce qui s'est passé là? Non, ça va. J'ai eu peur. Voilà. Voici. Voilà. Je pense que 0,5 cm, c'est beaucoup trop grand. Allez, c'est sur le côté. Mais je vous ai dit que j'allais faire des petits de couleurs. Voilà, j'ai celui-ci d'action. C'est le numéro 23. Et je vais carrément faire ça. Là, comme ça. Bien penché, comme ça, ça va arriver sur le blanc aussi. Vous voyez? Oh ouais. C'est pas juste un fin trait. J'exagère plus. La chose. Comme ça, ça va être moins grand, cet écart. Je pense que j'aurais dû laisser un petit peu moins. Vraiment à peine. Mais bon, ça va. Et sur les coins, j'aime beaucoup faire ça. Les coins plus mis en couleur. C'est super sympa. Accentué ici quand même. Voilà. Voilà. Donc on a mis tout ça. Oh, j'avais un joli papier. Tant pis. Petit feuillage. Ah, sympa. En tout petit. Je l'enfonce comme ça. On voit juste à peine. Ouais, et je vais faire un tour. Il faut que je me trouve un feutre orange. Est-ce qu'on a du orange? Oui. C'est un peu flashy, ce orange, mais... Et celui-là, peut-être. Et ces choses-là. On va faire un tour. Un contour. Alors, je vais essayer les crayons. C'est pas mal. Allez, alors, je vais prendre le premier. Voilà, et je vais faire un contour. À main levée, comme ça, comme ça. Là, et là où c'est vide, je vais faire des petits tourbillons comme des serpentins. C'est sympa. Voilà. Alors, je vais éteindre. Voir si vous voyez mieux. Oui, vous voyez beaucoup mieux. Voilà le résultat. Hein? Donc, derrière l'ABC, je rappelle, il faudra que je mette mon nom, mon prénom. On peut peut-être le mettre avant, parce que maintenant, là. Ici, la petite phrase super sympa. Voilà. Et du coup, voilà l'ABC. Bon, ben je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Vous ne voyez plus rien. Et ben n'oubliez pas de faire tout ce qu'il faut faire. Ça m'encouragera. Et voilà. Merci beaucoup.